Pourquoi les pyramides, elles sont pointues? Je serai le président de tous les Français. Grand Aztèque, les gens du Nord ont plus les cheveux blancs et les gens du Sud plus les cheveux bruns. Pourquoi le Père Noël est rouge et blanc? Vous pouvez répéter la question? Non, je disais, j'allais répondre à la question pourquoi le Père Noël est rouge et blanc. Allez, moteur! 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 Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Vous croyez au Père Noël? Non mais sérieusement, vous croyez au Père Noël comme moi, pas vrai? Et est-ce que vous croyez à sa couleur, le rouge et le blanc? Je vous vois venir, non, la couleur du Père Noël ne provient pas de Coca-Cola. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le Père Noël était déjà rouge bien avant que la marque de soda ne s'en empare. Et il a aussi, en fonction des pays et des époques, plusieurs noms. Santa Claus, Winstonman, ou plus communément Père Noël. Oui, c'est bien ce mec qui distribue les cadeaux aux quatre coins de la Terre pendant la nuit de Noël du 24 au 25 décembre. Avec ses rennes, faut quand même avouer qu'il est fort le type, parce qu'il n'y a que des lutins sous sa coupe. Et ce sont des cadeaux qu'il a fabriqués tout au long de l'année, avec eux, évidemment sans les rennes. Forcément, vous voyez de qui je parle. Mais est-ce que vous connaissez son histoire? Car il a bien changé, ce petit monsieur. Il a pris plusieurs visages, plusieurs couleurs. Il n'avait pas le même maillot, mais il avait la même passion. En gros, son histoire commence au Moyen-Âge, avec Saint Nicolas. C'est le protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles. Il était déjà représenté vêtu d'une cape carmin et arborant une longue barbe blanche. Bah ouais, c'était un évêque, né entre 250 et 270 après Jésus-Christ. Saint Nicolas apportait des friandises aux enfants sages et il était en général accompagné du père Fouettard, vêtu de noir, avec un bâton pour frapper, si si, les enfants qui n'ont pas été gentils. Saint Nicolas de Myre, M-Y-R-E, pas le liquide vaisselle, voyageait au travers des villages sur le dos d'un âne et habitait en Limponie. Une fois devenu saint, l'ancien Père Noël s'est implanté dans le nord et dans l'est de l'Europe, en Lorraine et aux Pays-Bas. La légende dit que dans la nuit du 5 au 6 décembre, il passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises. Comme des fruits secs, des pommes, des gâteaux, des bonbons, du chocolat évidemment et du pain d'épices. Voilà, cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Mais pourquoi aborder l'histoire du Père Noël en commençant par celle de Saint Nicolas? Pour une raison simple, c'est parce que c'est le premier. Et il aurait, en plus d'avoir donné des cadeaux aux enfants, réalisé de nombreux miracles, notamment en ressuscitant trois enfants coupés en morceaux par un cruel boucher. Des chrétiens américains ont repris la tradition de Saint Nicolas à leur propre sauce, en rapprochant la venue de Saint Nicolas de la naissance du petit Jésus le 24 décembre. C'est la version moderne de la fête de Saint-Nicolas. On est au 19e siècle, la boucle est bouclée, le Père Noël est né. Bientôt, des petits Papa Noël, quand tu descendras du ciel, résonneront dans les chaumières le soir du réveillon. Mais pas si vite. Un long chemin l'attend encore pour devenir lui-même équipé de sa panoplie complète du Père Noël moderne. Et recevoir les lettres des petits-enfants qui croient dur comme fer en son existence et qui espèrent passer de joyeuses fêtes. Grâce aux colonies hollandaises débarquées sur le nouveau continent à partir du XVIIe siècle, Saint-Nicolas s'est même exporté aux États-Unis où il deviendra Santa Claus, le Père Noël américain. En hollandais, on l'appelait Sinterklaas. Même si j'ai un accent pourri, vous comprenez bien que si on l'anglicise, ça fait Santa Claus. Bon là, on va rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper le prochain pourquoi, ça serait très très bête. La légende de Saint-Nicolas va ensuite se greffer sur le mythe germanique du dieu Odin, capable de voler dans les airs sur son cheval. Ce qui va inspirer le fameux traîneau du Père Noël, tiré par des rennes. Depuis, le culte de ce saint s'est répandu dans plusieurs pays. Encore aujourd'hui, la Saint-Nicolas est fêtée dans plusieurs pays d'Europe. En France, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne ou encore en Autriche. Ce qui a joué un grand rôle dans les représentations du Père Noël, ce sont les dessinateurs, car ils ont été nombreux à le représenter de différentes façons.
Quand Saint-Nicolas deviendra Santa Claus, les illustrateurs américains le représentent ainsi habillé de rouge et de blanc. Les lutins, le traîneau et les rennes arrivent en même temps. Mais avant, il y a eu plusieurs étapes. Au 19e siècle, plusieurs illustrateurs anglo-saxons représentent le Père Noël sous différentes couleurs. Du bleu, du vert, du gris, du violet. En 1809, l'écrivain américain Washington Irving, dans un livre satirique, décrit Saint-Nicolas comme un vieux lutin qui s'envole au-dessus des arbres dans un chariot volant, transportant des cadeaux aux enfants. En 1822, un pasteur américain, Clement Clark Moore, écrit ce poème. Une visite de Saint-Nicolas pour ses petits-enfants, le petit vieux gaillard et ventripotent de Saint-Nic, arrive dans un traîneau tiré par 8 rennes, puis descend dans le conduit de la cheminée pour distribuer des cadeaux aux enfants. Cette fois, il n'est pas vêtu comme un évêque, mais porte un manteau de fourrure. On s'en rapproche. Mais c'est le dessinateur Robert Ware qui le dessine pour la première fois en costume rouge et blanc en 1838. Joyeux Noël, Félix. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Saint-Nicolas n'est pas encore le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Il apparaît comme un petit lutin grincheux. Sa petite taille lui permet d'ailleurs de passer par la cheminée. Thomas Nast le dessine ensuite dans les années 1860 avec les mêmes attributs. Costume rouge et blanc, avec une ceinture noire, de la fourrure, un bonnet et bedonnant. Mais plus semblable au Père Noël d'aujourd'hui. S'il a eu plusieurs couleurs, c'est parce qu'en parallèle de tout ça, plusieurs personnages païens subsistaient en Europe. Avec des couleurs différentes. Comme le Father Christmas anglais vêtu de vert. Le bonhomme Noël en France. Et le plus chrétien, Christkind, en Allemagne. La couleur rouge attribuée au Santa Claus n'est pas encore définitive, car il y a eu des variantes, comme un qu'on a appelé All Father Christmas, Sir Christmas ou Lord Christmas. Il porte une longue cape à capuche verte, une couronne de fleurs, de lierre ou de gui, et ce Père Noël-là symbolise plutôt l'arrivée du printemps, plutôt que l'hiver. Il ne distribuait pas de cadeaux, mais passait de maison en maison pour souper. Si on le recevait convenablement, il permettait de rendre les longs mois d'hiver moins rudes. Joyeux Noël, les sages ! Mais arrête ! Mais il faut ! En France, à la même époque, le Père Noël est très différent. On le surnomme tantôt Bonhomme Noël, Père Janvier, selon les régions. Il est toujours vêtu d'un costume d'hiver blanc et rouge, mais il est très maigre, très austère, et porte des baguettes à la ceinture pour gronder les enfants qui n'auraient pas été sages. Au fil du temps, ces représentations païennes du Father Christmas anglais ou du Bonhomme Noël français vont se mêler à celles de Saint-Nicolas, donc là qui est en Amérique, représenté de plus en plus comme un vieillard joufflu et barbu en costume rouge et blanc. Au cours du XXe siècle, ces multiples figures ne deviendront plus qu'une seule, le Père Noël des temps modernes. Je sais ce que vous attendez et on y vient. Dans les années 1930, Coca-Cola immortalise la figure du Père Noël, rondouillard, vêtu de rouge et de blanc, dans une campagne publicitaire qui reprend le personnage de Santa Claus. C'est Adon Sonnenblum, artiste américain, qui le dessine. Cette fois, c'est un vieillard rouge, bedonnant, vêtu d'un costume rouge et blanc, à l'allure plutôt sympathique. Donc vous l'aurez compris, c'est le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. La campagne de Coca-Cola part dans l'hémisphère sud. Pour se remettre dans le contexte, le Coca est une boisson fraîche qui se boit surtout l'été à l'époque. Et là, on voit un personnage vêtu d'habits d'hiver en boire. Malin, c'est publicitaire. Sauf que la pub a fait bien plus que ça, car le Père Noël continue d'être imaginé et représenté ainsi dans les pays de l'hémisphère sud aujourd'hui. Mais le but était simple à l'époque, faire boire du Coca aux gens, même en hiver, puisque le Père Noël en buvait. Cette représentation du Père Noël s'impose en France dans les années 1950, avec l'essor des grands magasins parisiens qui vont inciter dans leurs vitrines à acheter des cadeaux aux enfants pour le 25 décembre. Le Père Noël moderne mettra malgré tout encore un peu de temps à s'imposer en France, où, dans ce pays catholique, Noël a longtemps été relié à la naissance du petit Jésus. Aujourd'hui, le Père Noël a ses quartiers dans le monde entier. Donc tu connaissais le Père Noël, mais est-ce que tu connaissais tous ces détails? N'hésite pas à me le dire en commentaire. On se retrouve bientôt, à très vite, salut! Au revoir. Vive la République! Vive la France!
Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc je le redis, hein, même si je viens de le dire, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche, n'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait, et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux.